d'abord, partout dans ces îles africaines qui en charge cette organisation, nous avons constaté que partout où le vote a il n'y a pas de grande difficulté. Il faut s'en réjouir parce que c'est extrêmement important. Les règles du jeu nous exigent de mettre en place, surtout en ce qui concerne les autorités administratives, le matériel, pour que toutes les conditions soient réunies pour que les malades évacuent à partir de 8h. Ça a été fait. Le président Macky Sall est arrivé aussi à 8h. Il est arrivé très tôt, malgré tout cela, nous avons vu une mobilisation de fatigue. Ce centre était bondé de monde et tout le monde l'a accompagné à voter pour témoigner de l'engagement des populations fatigues. Et nous pensons que, tout ce qu'on a fait, travail de proximité, mobilisation, sensibilisation, si le baromètre du Sénégal devrait être fatigué, ce serait effectivement une razzia, comme ce qu'on a vu en Chine, parce que nous avons quelques résultats en Chine, là où le candidat Bonimo Biyakar, notre candidat, 700 et quelques voix, le deuxième n'a que 412 voix. Et nous pensons que cela va continuer comme ça, parce que la population du Sénégal est une population très mûre, qui ne peut pas se prêter à un certain jeu et comprend effectivement qui peut porter le développement. Le moral est très bon et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bon d'ailleurs, parce qu'une campagne aussi c'est des signaux à détecter, à analyser. Et ces signaux qu'on a qui nous viennent des populations, montrent l'attachement de toutes les populations. Et c'est une population qui a compris le bilan du président, qui a compris aussi que c'est un homme engagé.